Que le Seigneur bénisse le chemin. Nous sommes vraiment en état à cause de la neige. Mais peu importe, nous avons quand même commencé notre programme. Je pense qu'il y a encore des gens qui sont en route, qui sont en train de venir. Mais on ne peut plus attendre parce que le temps presse. Amen. Avant de commencer, je vais ouvrir avec un mot de prière. Amen. Prions tous. Béni sois-tu, éternel grand Dieu, Créateur des cieux et de la terre, notre Dieu, notre roi. Nous te bénissons pour ton amour. Nous abandonnons, Seigneur, ce moment entre tes saints et tes besoins. Seigneur, tu sais pourquoi est-ce que nous le faisons. Ce n'est que pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, Jésus-Christ, c'est toi seul que tu puisses être glorifié en ces lieux, Dieu. Bénis, Seigneur, tout un chacun de nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, les frères Aigle et Jules, Seigneur, qui vont nous chanter quelques cantiques, mon Dieu. Bénis les musiciens, que tout soit pour ta gloire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous sentez bien? Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse encore une fois. Ça n'a pas été facile pour venir ici. La neige, vous avez conduit de très loin, de Londres, de Liverpool, par-ci, par-là. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Amen. Alors, je vais juste introduire quelque chose de 10 minutes. Parce qu'en principe, ça devait être une séance de questions-réponses. Je voulais que les jeunes puissent poser des questions, qu'elles puissent répondre. Mais ça fait qu'on ne peut plus le faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons quand même partager quelque chose de la parole de Dieu. Amen. La raison de cette réunion, c'est pour amener les jeunes à être concernés et convaincus par le message. Amen. Je vais prendre juste une citation de Frère Manon. Le frère Manon dit dans la prédication dans les questions-réponses de 1954, le 3 janvier 1965. Le frère Manon dit ceci. Seulement voilà, il s'agit d'accepter la personne Jésus-Christ. Et alors ces autres choses entrent et elles s'ajustent parfaitement. Que chaque membre de ce corps, ce matin, que ce petit groupe de gens, si nous pouvions faire descendre les rideaux de chaque côté, et que chaque personne ici reçoive la personne de Jésus-Christ, il n'y aurait jamais de prise de bec, il n'y aurait jamais de dispute, il n'y aurait qu'un amour parfait. Amen. C'est ça. Mais malgré tout, vous croirez encore ceci et vous croirez encore cela. Mais ce serait tellement rempli d'amour que vous voyez, c'est ça. Or Jésus, c'est à leur fruit. Jésus dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance. Amen. Je n'ai pas assez de temps pour prendre des écritures. Je vais vous rappeler de Daniel. Daniel était un jeune homme. Il s'est rendu en Babylone. Arrivé là-bas, on a voulu lui donner la nourriture de ce pays-là. Daniel, un jeune homme, a refusé de prendre cette nourriture. Parce qu'il croyait à un Dieu. C'est-à-dire que Daniel avait dépassé l'étape de l'église. C'était une expérience personnelle. Amen. Quand Daniel est arrivé là-bas, on lui a proposé les mets du roi. Il a refusé. Il a dit, il faut que vous me donniez ce que moi je dois manger. C'est-à-dire la nourriture du pays. Le roi dit, donnez-lui cette nourriture-là qu'il demande. Il a pris position par rapport à la parole. Son pasteur n'était pas là. Son diacre n'était pas là. Mais il avait pris position par rapport à la parole. Le frère dit, ce qui est là, parce qu'il n'y a pas de travail de l'âme. Amen. Le frère Adam dit que Dieu habite une maison à trois pièces. La première pièce, c'est la chair.
La deuxième pièce, c'est l'esprit. Et la troisième pièce, c'est l'âme. Amen. C'est le type du tabernacle. Dans les tabernacles, il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et il y avait les saints des saints. Dieu ne résidait pas dans les lieux saints. Dieu résidait dans les saints des saints. Yes. Quand on tuait l'animal, on amenait les sangs. Les sangs devaient atteindre les saints des saints. Yes. Amen. Amen. Et la sortie du sang des saints des saints, c'est ça qui était l'expiation pour le peuple. Les saints devaient être acceptés. C'est-à-dire que quand on est chrétien ou on est croyant, on doit être en mesure de vivre au niveau de l'âme. C'est-à-dire que la parole doit atteindre l'âme. Amen. Le frère Branham dit que Billy Graham, quand il allait quelque part, il prêchait. Il convertissait plus de 30 000 personnes. Et le lendemain, quand vous repartez là-bas, il n'y avait plus personne. Amen. Il a fait d'eux des membres d'église. La parole n'avait pas atteint l'âme. Et lorsque la parole atteint l'âme, même une personne dans ce pays-là, il restera chrétien ou il restera croyant, quelles que soient les situations. Ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y a plus de conviction. Les jeunes ne sont plus vraiment concernés par la chose. Voilà pourquoi nous essayons d'organiser ce genre de choses pour essayer un peu d'amener les jeunes vers la parole. Amen. Alors, si Dieu entre dans votre cœur, comme dans l'âme, il n'y a pas de sens. Les cinq sens sont au niveau de la chair, de l'esprit. Mais au niveau de l'âme, il n'y a pas de cinq sens. Il n'y a qu'un seul sens, c'est la foi ou l'incrédulité. Amen. Pour que l'âme puisse reconnaître quelque chose, l'âme doit devenir la chose. Et dès que la parole atteint l'âme, cela accomplit Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que dans les cas nous allons à l'église ou quand nous lisons la parole, c'est l'apprentissage de la divinité. Parce que l'objectif, c'est de devenir des dieux. Amen. Amen. Parce que les saints jugeront la terre. Dieu a habité dans son fils Adam. Quand Adam avait chuté, Dieu a été délogé du cœur de l'homme. Et Dieu voulait revenir dans le cœur de l'homme pour faire du cœur de l'homme son trône. Et le travail qui a été accompli durant la rédemption, c'était simplement pour remettre Dieu dans son trône. Ça n'a rien à voir avec l'histoire des églises. Dieu ne voulait pas créer les églises. L'objectif, c'était de ramener Adam dans sa position. Dès que ça arrive là, c'est tout. Amen. Alors, les gens se sont fait des membres d'église, simplement, au lieu d'être des croyants. Voilà pourquoi nous amenons les gens, nous interpellons les jeunes à être concernés et convaincus par le message. Parce que ce message, c'est vous. Amen. Vous avez la responsabilité de continuer avec ce message. Il y a de ceux-là qui ont commencé ce message qui ne sont plus là. Amen. Le frère, comment il s'appelle? Le frère Collins, il vient de nous quitter. Il y a beaucoup des anciens au Congo, ils ont quitté la terre. Il faut qu'il y ait une relève. Il faut qu'il y ait des jeunes qui prennent ce message avec dévotion, avec courage. Et n'ayez pas honte de proclamer ce que vous croyez. Amen. C'est ce que Daniel avait fait en Babylone. Ici aussi, nous sommes peut-être entourés de gens qui ne sont pas des croyants. Mais essayons, n'est-ce pas, de faire comme Daniel. Soyons concernés et convaincus par ce que le prophète nous a apporté. Voilà la raison de cette réunion. On allait avoir des questions-réponses. Il y a des questions que les jeunes ont posées, même en Afrique. Les gens ont envoyé leurs questions, mais par la faute du temps, on ne peut plus le faire. Peut-être à la prochaine, on essaiera d'organiser quelque chose d'autre pour que nous puissions répondre aux questions. Amen. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était ma petite exhortation. Je vais inviter les musiciens qui viennent nous jouer la musique. Le frère Pascal est là. Frère Pascal. Oui. Oh.
Frère Jules, appelez le musicien, vous avez déjà commencé. Amen, vous sentez bien? Amen. Acclamez pour le Seigneur, vous sentez bien. Amen. Maintenant, nous allons danser avec les frères Église. Les musiciens, s'il vous plaît, si vous pouvez venir. Frère Israël, venez déjà. Le temps est parti. Je l'entends et ressentir
moi désormais et sans retour. C'est un grand jour pour moi. Si je me mettais là,
de vous raconter tout ce qui m'arrive, on ne va pas finir. Mais c'est une grâce. Je bénis le Seigneur pour la joie d'aujourd'hui, malgré tout ce qui est arrivé, mais je crois qu'il est là avec moi. Amen. Et je suis très reconnaissant à ce Dieu-là. Et je vous dis merci pour tout ce qui est béni. Que le Seigneur vous bénisse. Allons-y. Ah, I'm not afraid to die.
Qui aime Jésus ici? Amen. Qui aime Jésus? Amen. Je ne vois pas. Qui aime Jésus? Je crois que tout le monde aime Jésus, non? Amen. Nous allons chanter J'aime Jésus. Amen.
acclamer pour le roi des rois.
Ici, c'est la chanson de Mekadishkem. Mekadishkem veut dire celui qui sanctifie. Amen. Mekadishkem signifie celui qui sanctifie. C'est un hébreu. Donc là, je suis en train de dire que nous devons y avoir. Tout le monde a la bilongue, mais tout le monde a la mitérité. La Bible déclare, on reconnaît un arbre par ce fruit. Donc, tout le monde a l'église, il y a un sort. Tout le monde a le banzan, il y a un sort. Mais tiens, la mise à la, nettoyer par ce cause-là, vrai taux à fond. Amen. Alléluia.
rassemble le blé et le livret jusqu'au temps de la moisson, c'est alors qu'on saura si tu étais un bleu ou si tu étais le livret. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen.